Hey, salut vous, ici Milas, j'espère que vous avez bien que ça grande forme. On se retrouve après un petit moment, effectivement ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais comme on dit, mieux tard que jamais pour la 101ème. Alors, il y en a qui me suivent encore, bon je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait parler de moi. Il y en a qui me suivent, si vous voulez me voir, c'est tous les vendredis soir actuellement, je casse avec Fluo sur la Jujip TV. On vient de caster les IUM, on casse toutes les semaines des pas mal de replays de grands joueurs. On s'amuse avec les followers, donc si un soir vous avez envie de venir jouer avec moi ou juste de triper, de venir écouter un podcast avec mon ami Fluo, vous êtes les bienvenus, ça se passe sur la Jujip TV, les vendredis soirs de 20h à 22-23h. Vous serez les bienvenus. Alors, on reprend aujourd'hui avec un PVT. Je me présente, Milas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un Protoss, je suis un rageux et j'aime les strats dégueulasses. En face de moi, on a Etelero. Petit jeu de mots, je suppose. Etelero, donc il va jouer Terran, c'est du diamant. Je suis actuellement sur les leaders européens. J'ai repris le jeu depuis quelques temps, donc je suis passé master sur un de mes comptes, ça c'est mon deuxième compte, Mystigris, si vous ne connaissez pas, voilà, j'ai aussi un second compte qui s'appelle Mystigris, donc si vous me croisez, coucou à vous, sur lequel je joue et j'essaie de repasser master, donc là je suis mid-diamant, donc ça se passe plutôt bien pour moi, je gagne 4% des games, c'est plutôt sympa, et je pense que vous avez vu tout de suite ce qui s'est passé, c'est un gas first, ouais, je viens de prendre mon gaz à 10, alors ça déjà, quand un proto se prend un gas first, c'est super rare, faut le savoir, c'est déjà super rare, et ça prépare une strat dégueulasse. Et en dessous master, ce genre de strat, c'est pas scouté, c'est pas vu. C'est le seul moyen de déceler le truc, le seul moyen de savoir qu'il y a une anguille sous la roche, je dirais plutôt même une baleine sous gravillon, c'est de regarder le gaz et de voir que le premier est à 2500 et que celui-là, en fait, très rapidement, il va descendre et il va avoir descendu de manière illogique, anormale. Donc actuellement, un démarrage classique pour un LT et Telero. Oh, j'y arrivais, j'ai toujours un peu de mal avec les noms des Terran, je sais pas pourquoi ils ont toujours les noms un peu là, à la mort le moine nœud. Qui est parti sur une baraque, donc gas first, baraque, je scoute même pas en fait sur les maps 1-1, c'est 90% du temps opener reaper, et pour être franc, ils ont raison, et Terran c'est une excellente unité, donc bon. Je vais faire un point du côté proto, et après je ferai un point du côté Terran, si vous voulez, pour savoir comment est-ce qu'on peut scouter et comment on peut repousser cette technique. Alors, vous avez vu, ma scout, enfin mon scout en fait, il est pas venu, à la base du Terran, de toute façon je sais ce qu'il va me faire. C'est forcément un Reaper, ils font que ça, les Terran sur le leader. Et donc j'ai mis directement ma petite probe en mob, en mode camouflé. Donc pour le BO, c'est super facile actuellement. Hein. Là, c'est Assimilator 10, la guette à 13, et après on reprend un jeu normal, donc le cyber à 18. On a posé ce pylône à 16, celui-là, on va le poser à 20 pop. C'est super classique actuellement. Et là, voilà, là le Terran il scoot. Le Terran il vient de scooter, elle est elle héros. Il a scouté, il a même pas vu le gaz. Bon, j'aurais pu prendre mon second gaz en fait, il l'a même pas vu. Mais c'est pas grave, de toute façon, il faut se dire que tous les Terran vont venir scouter ce second gaz. C'est la base du jeu en TVP. Ils doivent venir scouter, ils doivent savoir si un cheese se prépare ou pas. Et comme le second gaz n'apparaît pas, ben finalement, le cheese n'apparaît pas. Voilà, donc on le cache, un petit peu. C'est pas un cheese, c'est vraiment une technique fourbe, sournoise de Protoss. 4 minutes, je pose ma target. Normalement, vous pouvez balancer en même temps votre mothership. Ah voilà, il m'a chopé déjà une sonde. La seconde, il a fait une petite erreur là de micro. J'ai pas à choper, donc ça c'est plutôt bien joué pour moi. Le mother qui sort. Donc je peux défendre tranquillement normalement contre les premiers poches. Ça peut arriver que le... Alors j'ai fait un petit peu tard mon archive de quelques secondes, j'aurais dû perdre cette sonde, en fait j'aurais dû perdre cette sonde. J'ai eu de la chance, il s'est pas trop accroché cette sonde. Et alors, bon, c'est une strat qui est un petit peu dangereuse dans le sens ouais, où votre perche peut sortir un petit peu tard si vous lancez en premier la Stargate. Mais les dégâts que vous allez faire avec votre oracle vont juste être terribles, ils vont être juste incommensurables. Donc mon copain Terran qui est parti, ok il est vraiment une écho assez dégueulasse actuellement, hein, 13 récolteurs c'est pas terrible. Bon 14-15 ouais, donc c'est un petit peu mieux. Donc mon ami Terran qui est parti simplement sur un 1-1-1, donc c'est super classique, hein. Il a vu qu'il n'y a qu'un seul gaz de prix avec le Reaper. Donc il sait actuellement que c'est tranquille pour lui, il peut partir sur un 1-1-1, il risque pas de se prendre un counter. Pourquoi? Logiquement, je vais prendre mon expand. Alors ça, mes amis Terran, c'est un truc, mes amis, excusez-moi pour la blague, les petits Terran qui me regardent, il ne doit pas y avoir des masses, mais bien, il doit bien y en avoir quelques-uns, je vous donne le tips. Alors un, vous pouvez scouter votre base, hein, c'est pas interdit avec le Reaper, vous ne ferez pas de dégâts. Deux, toujours checker le gaz qui est pris, savoir s'il y a du gaz qui est parti ou pas. Cela, il manque déjà 500 de gaz, ce qui est énorme
en early game, et surtout, est-ce que là, B2 est posé rapidement ou pas? Là, s'il était revenu scouter, en fait, il aurait vu, bon, j'ai refait des drones, enfin des sondes, pourquoi pas, hein, c'est un choix, et là, j'ai posé ma B2, donc ma B2 va être un petit peu light par rapport à lui, et c'est là où il peut se poser des questions. Bon, mon ami Terran qui part sur un minivac, sur une route de mine, donc c'est super classique actuellement, c'est le jeu standard Terran en 1-1-1, et vous arrivez avec l'oracle, directement immuné, et vous faites plaisir, hein, simplement, vous ponctionnez les SCI, voilà, des SCI, on est rendu à 6, 7, tranquillement, avec 6 avec le marine, et de toute façon, s'il n'y a pas de B2, eh ben vous êtes tranquille, vous êtes vraiment tranquille, tout de suite derrière, vous lancez un second oracle, parce que s'il a posé une B2, vous allez pouvoir la race. Pourquoi? Parce que, oups là, ouais, alors là, il y a une mine, je me suis fait avoir, le problème, c'est que la mine, on va pas tout le temps. Il va renvoyer ses CV directement à une minerai, pourquoi pas. Vous pouvez venir checker la B2, si la B2 est là, vous avez un oracle pour attaquer, si il retourne dans sa B1, ben vous pouvez ramener votre oracle, et vous allez reponctionner les CV, il n'y a pas de problème, de toute façon, un, il sort ses CV, donc il en perd, et deux, bah faut être franc, hein, le temps qu'il est dehors, il mine pas. Tout simplement, donc ça marche pas si mal que ça. Derrière, vous continuez votre écho, vous pouvez commencer à sortir des stalkers, vous posez des gateways avec l'excédent de minerai. Et pour le moment, la game se passe plutôt très bien pour moi, parce que je bloque tout simplement mon Terran. Il est que là, il a qu'une seule baraque. Faut comprendre, il a qu'une seule baraque. Il peut pas faire de réels dégâts tout de suite. Pourquoi? Une baraque, il va faire un marine un par un, un oracle, le marine un par un, bah ça les bouffe simplement. Un petit drop de mine, bon je l'ai déjà chopé, mais c'est voilà, c'est vu. Il faut faire partir. On fait attention, non, on perd pas l'oracle, faut faire attention. Coûte cher un oracle, coûte vraiment très cher. Donc vraiment faire très attention aux oracles. Je viens de poser une forge comme j'ai vu la mine, donc ça c'est tout simplement du mind game. Hein. Je vois qu'il y a des mines. Soit je suis une robotique, mon ops peut arriver tard et ça m'embête un petit peu. Donc je préfère poser un canon, en plus ça défend, c'est pas mal, j'ai de l'avance et ma B2 est posée. Pour le moment, tant que j'ai pas de canon sur ma B2, je vais plutôt préférer laisser mes sondes dans la B1. C'est juste pour éviter de les perdre s'il y a un drop, hein. C'est aussi con que ça, mais j'ai juste pas envie de les perdre. Je suis très bien dans la game actuellement, je voudrais pas perdre pour rien. Alors, il y a deux choix, donc je vais faire une petite pause, il y a deux choix actuellement. Hein. Donc si j'ai pas perdu mon premier oracle, ce serait mon troisième. Donc deux solutions, soit vous restez avec un oracle ou deux oracles et vous faites du dégât économique et vous en restez là, vous faites pas plus de dommages et après vous servez de vos oracles pour scouter, pour faire un petit peu de dommages dans la base, soit vous en faites trois et à partir de trois on peut commencer à faire des choses plutôt sympas avec les oracles, je vous montrerai à quoi ça ressemble pendant que le drop d'adversaire se prépare. Donc c'est ça qui est utile aussi avec la robotique. Le canon c'est bien pour défendre mais la robotique c'est bien pour les scouts, enfin les drops, donc l'un dans l'autre, qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors quand je pars vraiment macro, forte macro, je vais prendre plutôt la robotique. Quand je pars un petit peu cheesy comme ça, je vais préférer le canon. En plus, ça me défend, donc ouais, je préfère. Parce que de toute façon, il y a de grandes chances que mon adversaire soit un petit peu en mode... il va être agressif. Et avec deux oracles, simplement, vous pouvez commencer à choper tout ce qui est add-on, donc les tech labs, les réacteurs. Vous pouvez le choper sans trop de difficulté. Voilà, le drop qui était vu par moi-même, pas de problème, j'en pousse avec mes deux stalkers. Vous allez pouvoir commencer à choper quelques bâtiments. Et en fait, les tech labs, c'est vraiment bien. Ça n'a pas beaucoup de points de vie, ça a 400 points de vie. Et 400 points de vie, en fait, avec un oracle, ça défend, ça descend très vite. Hein. Ça fait du 15 de dommages par seconde. Avec 2, ça fait 30. 30, avec 3, ça fait 45. Donc 45 par seconde, un tech lab, ça dure 8 secondes, même pas. Hein, 8 secondes, autrement dit, ça fond comme neige au soleil. Donc c'est ça que j'aime bien chez l'oracle. Et surtout, je vais forcer mon adversaire à faire un viking. Alors le viking, ça a l'air tout con comme ça. Donc ça a bien handicapé contre mes oracles, ça c'est vrai, je suis obligé de le dire. Par contre actuellement, mon adversaire, il ne peut rien faire. Il est bloqué dans sa base. Il ne fait pas de marine, de toute façon, s'il fait du marine un par un avec trois oracles, je vais lui bouffer. Je pense que la meilleure chose qu'il a à faire, ouais, c'est faire un viking. Je pense que c'est la bonne réponse. Je peux pas le détruire. On pourrait faire peut-être un void ray, je pourrais pas le détruire encore que void ray, faut faire attention avec une mine, ça saute un peu vite. Ah, parlons de mine, il y en a une qui va rentrer directement dans la base, voilà pourquoi je vais mettre un canon, ça règle le problème. En même temps, je me suis fait avoir quelques sous dans ma B1. On a quand même grillé 6, hein. Donc c'est 2-3 lions plutôt bien joué là-dessus, elle a vraiment bien joué mon ami Terran. Et j'ai encore une fois plus les lions qui vont traverser la map. Et mon adversaire qui est en train de chercher, je suppose, Master Target qui a été super rentable jusque-là, il faut le dire, hein. faut pas s'en priver, voilà. Un canon, ça défend pas trop mal, il vient de brûler encore quelques sondes, c'est pas grave, allez, on balance le canon, le Nexus Cannon, jusque-là c'est parfait. Ma robotique qui est posée tout derrière, c'est ma robotique B. Et pour moi, le jeu, en fait, c'est en train de se poser, je me lance dans la macro game, j'ai mis les gros dommages économiques rapidement, je me lance dans la macro game. Le viking, alors c'est tout con, mais ce viking, en fait, il me bloque tous mes oracles. Donc faut vous dire que si vous avez à choper le ou les
si vous avez des oracles, il en fera pas 40 des vikings, c'est pas son jeu. Il va en faire peut-être 1, 2 pour se défendre et ce sera tout. Donc si vous arrivez à choper ces vikings, en fait, vous pouvez renvoyer vos oracles directement à base de votre adversaire. Et ça doit plutôt bien se passer. Alors, comme je vous ai dit, hein, à partir de 3 oracles, on peut commencer à faire des trucs plutôt sympas. Et je vais vous le montrer, tout simplement, un command center ou une couveuse en création. 2 oracles, vous pouvez l'annuler, mais c'est compliqué. 3 oracles, sans problème, vous l'annulez. Surtout, tout ce qui est supply dépôt, choses comme ça, en fait, vous pouvez prendre très très vite. Vous allez voir, ça descend, mais comme neige de soleil. Hop là, allez, ça dure à quoi, 8 secondes, même pas. Donc, s'il ramène des CV, vous ponctionnez les CV. S'il ramène des marines avec 3 oracles, vous pouvez faire beaucoup de dommages, mais sans problème. Donc, l'un dans l'autre, en fait, pour moi, l'oracle par 3, ça marche très très bien. Mais vraiment, très très bien. Et au pire, même s'il y a des mines, même s'il y a des missiles, vous pouvez toujours balancer des sorts de révélation, vous pouvez toujours balancer des sorts d'envision. Donc ouais, l'un dans l'autre, c'est toujours utile. Alors, c'est pas une unité que je prisais beaucoup en fait au démarrage en TVP, je la trouvais un peu chère pour ce que ça faisait. Et plus ça va, plus je la joue, surtout sur des techniques un petit peu agressives comme ça, où ça fait beaucoup de dommages, et où c'est toujours utile d'avoir la vision sur votre adversaire. Voilà, mon premier colosse qui va sortir, donc ça c'est très important, hein, les colosses contre les terranes, c'est la belle vie. J'ai oublié mon plus 2, mon plus 3 d'attaque. Alors ça par contre c'est une erreur de ma part. Ouais, j'ai un peu de mal au niveau de la macro, hein. Je reprends depuis quelques jours, ça fait quoi, une petite semaine que je reprends. Donc j'ai quelques problèmes dans ma macro, hein. Vous voyez, mon plus 2 est pas lancé, je relance pas de colosse tout de suite. Donc ça c'est des erreurs qui peuvent coûter la game. D'ailleurs ça m'est déjà arrivé de perdre bêtement des games parce que en fait j'étais très bien au niveau micro, au niveau macro. Et finalement l'un d'autre, j'ai tout perdu. J'ai vraiment tout perdu, voilà. Donc, comme je disais, avec 3 oracles, ben, on fait le café, hein, je vous le prouve une fois de plus. Le command center que je suis en train de simplement de défoncer à l'oracle. Et je pense qu'il va falloir qu'il se pose la question d'annuler. Voilà, il va l'annuler de toute façon. J'ai encore assez d'énergie, il me restait une 15 énergie de chaque côté. Donc 10-15 énergie, ça fait 450 à 600 points de dommage. Autrement dit, sans problème, je lui défonce. Je lui défonce au command center. Et votre adversaire est tout simplement sur B1. Est bloqué avec une écho dégueulasse, de toute façon même s'il y avait une grosse écho il pourrait rien en faire, il serait bloqué avec sa B2. Le seul moyen qu'a le terrain pour s'en sortir, c'est poser des mines partout, mais vraiment partout, faut pas se rater, et poser des tourelles. Et s'il fait ça, effectivement, il peut commencer à prendre sa B2 de façon safe, mais vous, en tant que Protoss, vous prenez votre B3, vous pouvez prendre votre B4, vous pouvez poser Mass Gateway sans aucun problème, vous êtes bien, vous êtes super bien. Je lance le blink, alors 15 minutes 30, ça fait un petit peu tard, c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. Hop là, Genshi qui est scouté, donc je vois qu'il est invisible. Mais comme j'ai dit, hein, l'invision, là je vais devoir attendre l'invision, j'ai pas d'énergie. Je vais prendre l'invision, dès que l'invision sera disponible, voilà. Je peux choper la Banshee, même pas. Oh, petite erreur de micro de ma part, ça c'est pas bien joué par contre, hélas. J'ai pas le blink, donc je pourrais pas la suivre. Alors un autre point important, c'est tout con à dire, mais allez toujours scouter les B4, même votre B4 à vous, B5 un peu caché, parce que c'est possible que le Terran soit tellement mal pillé qu'il se dise qu'il n'a pas le choix, il doit absolument... donc ça va rentrer chez moi, mais ça en fait c'est pas très très grave, si on rentre directement dans votre ligne de minerai, vous avez juste à splitter un petit peu vos drones, et puis normalement c'est pas trop de dommage, voilà, je suis pas sûr de perdre une sonde. En tout et pour tout, voilà, 11 à 14, donc finalement moi, il m'a pété 11 sondes, donc c'est... C'est bien, c'est bien, d'un côté il m'a pété 11 sondes, c'est bien, le problème c'est que moi je suis rendu sur B3 et mes 11 sondes, je m'en fous un petit peu, quoi, tout simplement. Si je veux la refaire, je la refais en 20 secondes, et puis j'en parle plus. Ma B4 pourrait être posée sans aucun problème, j'ai les ops à droite et à gauche, donc je suis plutôt très bien la gamme. Une seconde Banshee qui va sortir, et mon compère est tel héros qui est parti tout simplement sur un mecha. Alors, mecha... Pourquoi il joue défensif? Alors l'idée est bonne de partir sur un mecha pour le terrain. Pourquoi? Le mecha en défense, c'est le top. On ne peut pas approcher. À moins de passer par les petits côtés, à moins de faire le Blinkstalker, à moins de faire du drop d'été dans la B1. Ouais, c'est compliqué. Une fois qu'il y a 3-4 bases qui sont posées pour un terrain, tout défendre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc finalement, le mecha, si vous voulez l'avoir, c'est vraiment quand il est en dehors de sa base, une fois qu'il est en train de bouger, une fois qu'il est en train de sécuriser sa B4, là vous attaquez la B2 ou la B3, voire même la B1, ça passe sans problème. Voilà, la Banshee qui est scoutée, tu es vu, tu ne partiras pas, elle partira, je laisse partir. Et j'ai plutôt essayé de m'occuper de cette Banshee tout simplement, donc il vient de tuer un des stalkers, je ne trouverai même pas, Dumilas, t'es horrible. La Banshee de toute façon qui ne devrait pas faire beaucoup de dommages, parce que voilà, je joue à SimCity, je mets des canons partout, ça me fait plaisir. Ma target qui ne tombera pas, non, je tourai avant. De toute façon, voilà, t'as pas beaucoup de points de vie. Moi, j'ai des points de vie, surtout, je fais mal. Et la game qui est posée tranquillement, voilà. Le siège tank qui attend, les mines qui attendent. Donc, mon ami Terran,
qui joue sa game et qui, je pense. Alors, je vais être franc, hein, j'ai discuté après avec un peu avec lui, il m'avait dit la game était pliée, c'est clair, la game était pliée. Il ne se la voyait pas gagner. Donc quelque part, il n'a pas joué à fond, je peux le comprendre. Toutes les games où j'ai fait cet opener, Oracle, One Gaz, alors j'ai pas toujours gagné, je ne vais pas dire que j'ai gagné à chaque fois, c'est faux. Je me suis fait counter une fois. J'ai joué déjà ouais, une dizaine de fois, je me suis fait counter une fois par un Terran. J'avais 150 ou 162 pop, il en avait 110. Et j'ai perdu parce qu'il a sorti tous ses drones. Enfin, tous ses civils. Et finalement, bah, moi j'ai joué un petit peu au mode ouais, au malien, au mode un peu japonais, chinois. Je me suis dit, ouais, ça va passer avec la micro. Bah, en fait, non, c'est pas du tout passé. Donc j'ai scouté mon adversaire, je vois un petit peu ce qui se passe. Donc là, je vois le siège tank, pas peine qu'il y aille. Je vois les mines, donc ça, vous voyez. Ça, c'est les mines, tout simplement. Ok, donc je vais essayer de faire tirer les mines. Elle n'a pas tiré, j'utilise le Blitzstalker pour me sauver. Et je vois qu'il y a les chars. C'est pas possible de passer. En plus, il va y avoir un point de défense drone avec les Raven. Le seul moyen pour moi, c'est de l'avoir, si je vous l'ai dit. C'est tout simplement monter directement dans la B1. Les chars, c'est pas mobile. Vous avez le Blitzstalker, c'est super mobile le Blitzstalker. Donc faites-vous plaisir. Chopez la tech et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de ramener vos colosses sur le côté. De prendre toute la bio ball, enfin toute la mécanique ball qui arrive, et puis finalement, eh ben, c'est GG. Le colosse qui est focus, c'est pas grave, on va directement dans la ligne de minerai, on défonce tout, et c'est le GG. Well play. Voilà, c'était le One Gas Oracle, ça marche super bien, je vous conseille d'essayer. C'est pas forcément facile à faire, ça demande un peu de micro, donc essayez d'être ça à partir peut-être de. Ouais, platine, gold. Gold, c'est peut-être un peu chaud. Platine, sans problème. Gold, à mon avis, vous pouvez commencer à arriver sans trop de. Avec un peu de difficulté, mais ça peut passer. C'est super marrant et surtout, ce n'est pas connu des Terrans et des strats qui ne sont pas connus. Je promets que les joueurs n'arrivent pas à y répondre de façon convenable. Et c'est ce qui fait vraiment la force de ce build, c'est que personne s'y attend, tout simplement. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis bonne fin de soirée. À la prochaine et à bientôt. À plus.